Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui donc nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de Baldur's Gate 1. Oui bien sûr. Nous nous dirigeons vers le bras amical pour aller récupérer Caïd et Janera, donc qui sont des amis. Paye ta discrétion mec. Voilà, tiens, une épée courte. Imoen, viens là. Tu prends ça en secours. Au cas où l'arc venait à péter ou qu'elle serait à court de munitions. Moi, pareil, j'ai ce qu'il faut. Lui. Il a une épée courte et... Ouais, pareil. Eux ils sont à poil au niveau stuff. Enfin bref. Ça tu aimes les filets, on va les vendre. Pareil. Alors, vu que de toute façon ils ont pas grande importance, ces deux personnages là, on va pas vraiment faire attention à eux. Il y aura des personnages beaucoup plus intéressants plus tard. Salut cop. Ouais voilà, alors là lui il nous dit de nous mettre sur nos gardes. Merci, c'est bon, on sait qu'on s'est fait attaquer. Merci, au revoir. Voilà. Ok, auberge du bras amical et petite cinématique. Voilà, toute petite cinématique, pas grand chose. C'est fait. Intéressant. Alors, là, il va falloir réagir très très vite. Parce qu'on va surattaquer, mais par un espèce de magicien, et si on l'a pas très très vite, il peut être très très chiant. Salut camarade. Alors salut camarade, c'est la première fois que je vous vois ici. Qu'est-ce que vous venez faire à l'auberge du bras amical? Je suis ici pour rencontrer des amis. Vous devez être la personne que je... Attends, vous devez être la personne que je dois rencontrer. Je vais vous conduire auprès de vos amis, mais avant je dois m'assurer que vous êtes bien la bonne personne. Vous appelez-vous MDJ de Normandie? Ouais, en fait, mais il va nous attaquer lui. Oui. Parfait, vous êtes en effet la personne que je cherche. Ne bougez pas juste un instant, il va nous attaquer. Voilà. Passons aux choses sérieuses. Eh merde, il a eu le temps de se servir de son sort. Ben, si j'ai pas le choix. Merde. Non, 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 non. Moi je dis non. On va recharger l'autosave. Oui. Et j'ai pas réagi. Oui, bien sûr. Les ennemis vous attaquent.
Eh zut. Pilotage facile. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, bah alors. Bon, bah ça c'est fait. Ça va être l'épisode fail. On va pas arriver à récupérer Kaïd et Jaira avant le... Oups. Arrivez, oui. Une tâche facile. Oui, allez, la cinématique. Je peux même pas l'échapper, ok. Bon, on va sauvegarder là, pour être sûr. Allez. C'est fait. Je sais plus comment on fait une sauvegarde rapide. Sa voix n'a pas été traduite à lui. Ok. Non, on va re-sauvegarder une fois ici pour être sûr, parce que j'ai pas envie de me retaper ça à chaque fois. Allez. Salut camarade. On a besoin de dormir. Je sais, ça me dit rien. Allez, hop. Et mais butez-le, putain. Bon, hé, je peux pas m'en empêcher, hein. Oh, puis nous a fier. Bon bah Imolène, c'est fait. Bon. On va y arriver, hein. J'y suis arrivé à ma partie précédente, y'a pas de raison que j'y arrive plus maintenant. Une tâche facile. Salut camarade. Non, bien sûr. Mais attaquez, bande de cons! Et maintenant, que se passe-t-il? J'en ai assez! Bon, ok. Ça va pas. Je sais pas pourquoi les deux autres n'ont pas attaqué. Attendez, alors, je me souviens d'un truc. Non, c'est pas là. Ça doit être dans les profils de personnages. Dans personnaliser. Consignes, voilà, les consignes. Et là, on a... On a agressif quelque chose, mais... clair agressif, on s'en fout. Guerrier agressif, voilà, hop. Ok, donc il attaque directement. Ok, on va faire pareil pour tout le monde. Non, information, on s'en fout. C'est personnalisé, consigne. Pour les voleurs. Voleurs agressifs.
Ouais, ou sur la défensive. Ouais, allez, hop, on va prendre ça. Toi, il est quoi, lui? Multiclassé, ok, guerrier. Voilà. Non, c'est pas ce que je veux. C'est pas réformer groupe que je voulais, c'était personnalisé. Consigne. Alors lui, c'est un guerrier, donc pareil, ça va être un guerrier agressif. Dès qu'il aperçoit l'ennemi, le guerrier attaque. S'il tue cet ennemi, il passe au suivant. Ok, oui, bon, c'est exactement ce qu'il me faut. Et toi, t'es un nécromancien. Ah, intéressant le nécromancien, j'ai même pas vu ce qu'il s'il avait quelque chose. Donc lui, ce sera magicien. Magicien agressif. Voilà. Et qu'est-ce que t'as en sorte? Ok, donc il y a ce qu'il faut. Ok. Bon. Si avec ça je passe pas, je comprends pas. C'est fait. Salut, camarade. On va l'attendre en bas des escaliers. On sera peut-être plus à l'aise pour se battre. Allez, butez-le, nom de Dieu! On l'a eu! Allez, bon, il nous affire, mais. Mais on l'a eu. Ah, puis Molène, elle a pu se cacher dans l'ombre. Ok. Plus comment on fait pour sélectionner toute l'équipe. Ok, R c'est pour ça. I c'est l'inventaire. O pour ok, accéder ici. B, Q, R, S. C'était quoi? F? J c'est pour le journal. M c'est pour la map. W pour les sorts. Ok, bon. Bah, je sais plus comment on fait pour avoir tous les personnages. En tout cas, on est c'est fait. passé. Et je veux récupérer ça. Voilà, parce qu'il avait des trucs intéressants. Et il a beaucoup de choses intéressantes. Alors, bah, j'ai vu une épée. Je suis pas fou, j'ai vu une épée. Non? Non, bah j'ai dû me planter. Non, pas grand-chose d'autre d'intéressant. Enfin, au moins ça. Et puis ça va, puis on s'en est sorti presque sans dégâts ce coup-ci. Bon, vous voyez, c'est un petit. Parfois, le jeu a une grosse tendance à l'aléatoire. Voilà, bon. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Un petit quart d'heure là-dessus. C'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bougre comme toi. Lui, je sais plus ce qu'il me veut. Ouais, il nous parle donc de la pénurie de fer. Allez. Et on va les récupérer C'est fait. enfin, Khalid et Jaira. Avant de se diriger vers Naskel. Du calme, chérie. Nous devons procéder doucement. J'ai l'impression que de vous connaître, mon enfant, de manière d'une. Vos manières me rappellent un sage que je connais du nom de Gorion. C'est presque un affront pour lui, je le comprends. Ouais. Bon, un peu de tenue, c'est sûrement l'enfant dont Gorion nous a parlé. Si souvent dans ses lettres, nous sommes de vieux potes de votre, de vieux amis de votre père adoptif. Il n'est pas avec vous, cela me fait craindre le pire.
Il ne permettrait pas à son enfant unique de partir sans lui. S'il n'est plus de ce monde, nous partageons votre peine. Gorion disait souvent qu'il craignait pour votre vie, même au prix de la sienne, s'il devait finir mal. Il souhaitait que Khalid et moi serions vos protecteurs à sa place. Toutefois, vous avez grandi maintenant et le choix de vos compagnons vous appartient. Nous pourrions voyager avec vous jusqu'à ce que vous vous fixiez quelque part. Nous vous aiderons à trouver votre place dans la vie. Alors, Khalid et Bega, c'est pour ça qu'il y a quelques lettres en double. Ou quelques syllabes en double. Votre compagnie serait appréciée. Parfait, nous partirons dès que vous voudrez, mais le plus tôt sera le mieux. Ok. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Les affaires n'ont pas du tout marché ces derniers temps. Ok, alors parchemin de Gorion, la dague, ça, les parchemins pareil parce que ça me sera d'aucune utilité. Ok, 700. Alors avec 700, qu'est-ce que je peux me faire? Je peux m'acheter l'armure supérieure. Je sais qu'il en a 700. Ah, 762. Merde, j'ai pas assez. On va juste s'acheter ces pour Imolen. On va s'acheter une armure un peu plus décente. Ok. Et je sais plus si c'est lui ou lui qui a besoin d'une autre armure. On verra bien. Attendez, je vérifie ce qu'il y a d'autre. Hein. Ah oui, il y a l'arc long composé. Celui-là, je le veux pour mon héros. Voilà, beaucoup plus efficace. Ouais. Oui, et puis au niveau du stuff, donc c'est donc Imolen. Donc tu vas pouvoir te mettre ceci. Lui, il est équipé, c'est lui qui n'est pas équipé. Donc on va lui mettre une Mon armure. Mon auberge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. Ok. Ah ouais, c'est vrai, lui, il peut porter que des armures spéciaux. Ouais, bon. Kali, et Kali déjà ira, je sais pas du tout. La potion d'invisibilité, tu vas la vendre. C'est bête, je l'aurais vendu plus tôt, j'aurais vendu peut-être une potion de soin. Allez, on va. Sûr que si on vend notre potion de soin, je pourrais m'acheter la meilleure armure. Parce que l'armure feuilletée, elle est bien, mais celle-là, l'armure plate, c'est quelque chose de. Voilà. On va vendre quelques potions. Que si je pouvais avoir l'armure plate et puis refiler l'armure feuilletée à quelqu'un d'autre, ça m'arrangerait. Les affaires n'ont pas du tout marché ces derniers temps. On va en vendre deux, on est à 800, donc je peux m'acheter l'armure plate. Ok. Et maintenant, que se passe-t-il? Allez, hop. Voilà, alors l'armure feuilletée, je suis sûr qu'elle peut pas la mettre. Non. Toi, tu peux la mettre, mais toi, je m'en fous. Donc, on va plutôt voir sur Jaira. Jaira peut la mettre. Et Kaïd a une armure feuilletée aussi. Donc, Jaira, eh ben, on va revendre ça. Dommage, on aurait pu la mettre. Résultat à Imolen. Voilà, donc ça va être une grosse phase de gestion d'inventaire. Ah, mais zut, on peut lui avoir un arc long composite aussi, elle. Parce qu'elle a quoi? Un arc court, là. Ouais.
j'ai un arc court aussi. Dague. Attends, la dague. Dégâts 1 des 4. 1 des 4 vitesse 2. Ça c'est 1 des 6 et vitesse 4. Vaut mieux que tu te battes au bâton, mec. Et t'es sûr que tu peux pas porter une armure décente? Tu peux pas porter ça, quoi. Bon. Et puis cette dague, on va y vendre. Ouais, non, en fait, nécromancien, c'est pas terrible. Hein. Je voulais partir. Moche-berge est ouverte à tous ceux qui savent se tenir. Je voulais partir sur ça au départ. Mais en fait, non. Hein. Bon. Et maintenant où? On commence à avoir quelque chose de décent. On va sauvegarder. Je vais partir. Je vais partir seul. Une tâche facile. Non. On va rester là. On va prendre Imolène. Vous êtes une bien étrange. Moi, je m'en vais. Ok, ici on peut rien voler. Ok, ici on peut. Une petite sauvegarde. Verrouiller. On va essayer de crocheter la serrure. Une dernière fois pour essayer, mais non. Parfois en insistant un peu ça passe, mais juste une question, si je fais ça. Ouais, ici il y a quelqu'un. Donc on peut pas piller. Donc elle se cache dans l'ombre automatiquement, hein, mais ouais, ok. Hop, et ici il y a quelqu'un, je crois. Ah non. Ok, on peut rien piller. Ok. Bon bah rien. Ah mince, il y avait un étage au-dessus. Ouais, mais de toute façon, je suis sûr qu'ici on peut rien. On peut rien faire. Allez, le reste de la compagnie. D'une bière. Et maintenant, que se passe-t-il? Oui, bien sûr. D'une bière. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ouais, de nuit, c'est peut-être pas une bonne idée. Oh, c'est pas grave. On va y aller quand même. Soit on commence à avoir un équipement un petit peu décent. Oui, bien sûr. Bon.
Pourquoi j'ai mis une formation comme ça, moi? Mets-toi une formation comme ça. Et on va partir direction Nazcal. De nuit parce qu'on est des fous. Juste coup de chronomètre, 25 minutes restantes. Oui, Moulin, qu'est-ce que tu fais? Allez, on est parti. Remets-toi comme ça, s'il te plaît. Il y aura une grosse séance de farming arrivé à un moment où je mettrai des accélérés hein, dans le jeu. Ah, d'accord, ok. En fait, c'est quand... on va changer ça. Parce que le problème du... Dimolène, c'est que là, dans le camouflage dans l'ombre, en fait, quand elle échoue dans son camouflage de l'ombre, elle bug, en fait. Donc, on va la mettre en... Ah, d'accord, ok. C'est parce que j'ai pas assez. Ouais. En voleur sur la défensive, c'est mieux. Parce qu'elle va aider dès qu'il y a quelqu'un qui se fait attaquer. Jaira s'est fait blesser aussi. Pour le moment, on est d'un très bon niveau. Oula, il y a du monde là. Et maintenant, ouais. Ma lame vous coupera un morceau. Oui, c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez? Par ici! Et maintenant, où? C'est fait. Salut, ouais, vas-y, montre-moi une auberge. Merci de ton aide. Là, attendez, moi je veux juste voir un truc. C'est, il me semble que c'est ici, mais j'ai un gros doute. Ok, il y a de l'orage. Ben non, ça a pas l'air d'être ici en fait. Ouais, si, c'est là. Attendez. Quoi? Alors, normalement, il faut un voleur d'assez haut niveau. Ok. Bah non, en fait.
Bah non, en fait, c'est pas là. Je pensais que c'était ici, mais en fait, non. J'adore parce qu'on déverrouille la porte et il y a des gardes juste derrière, mais... non, c'est pas là. Il y a une, y a une forge quelque part, mais je sais plus si elle est ici ou si elle est à Naskel. Non, elle est pas ici. Bon. Retourner ici. Dommage qu'on puisse pas dézoomer plus que ça. Hein. Je vous l'avouerai que j'aimerais avoir un plus gros dézoom. Ah oui, attendez. Mes hommages, mercenaire. Je suis Silk, artiste extraordinaire. Ah ouais, Silk, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il me semble que lui c'est un barde et on peut le prendre, mais il est, c'est qu'un simple barde. Il est pas plus intéressant que ça. Votre fin est proche, on parie. Je pourrais parier que votre fin est proche. Je n'ai rien contre vous, comprenez-moi bien, mais j'ai bien peur qu'il ne vous reste pas longtemps sur cette boule de terre. Pourquoi me dites-vous de cela? Ah oui, on peut l'engager, d'accord. J'espère que vous... Et une tête est une tête, et quand les deux se rencontrent, le Mokaga gagne sa croûte. Madame, vous ok, oui. C'est fait. Hey. Bon. Mais merde! Je voulais au moins vous mettre une fois la cinématique de fin au cas où. Non, bah on est là, résultat. Oui, c'est fait. Bon, bah on se retape la cinématique. Que désirez-vous? Ouais, salut, merci de ton aide, merci, au revoir. Une tâche facile. On va essayer de... Ouais, salut. Bon. De toute façon, ici, si je me souviens bien, il n'y a pas grand chose d'intéressant dans cette ville. Il me semble que c'est Anaskel qui a le... qui a la forge. Ici, il y a juste une auberge. Un barde à récupérer au cas où. Mais un personnage, voilà, sans importance, qui est... On y reviendra au besoin, mais c'est pas, mais ce sera juste. Ah oui, puis je sais, oui, je sais. Par contre, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous achète quelque chose à prix d'or. Ok. Tâche
facile. Il y a un gamin buggé. Oh, attendez, je crois que c'est là. Attendez. Ouais, ça doit être par là. On va y aller. Attendez, hop. Normalement, la route plus bas, elle se sépare en deux, si je dis pas de bêtises. Oh. Je dois être plus touché que je ne l'ai. Et maintenant, que se passe-t-il? C'est fait. Et maintenant, maman, une tâche facile. Je me sens pas très bien. Oh. Oui, une tâche facile. C'est pas possible. Les vieux magiciens sont... Bon, ça en fait toujours un point. Je dois être... Bon, attendez, il y a un truc qui va pas. Bon, alors, je crois qu'on va faire quelque chose. Parce que ça va pas. On peut régler le niveau de difficulté. Pour le moment, il est en standard. Le problème, c'est que si on change la difficulté, si on le met à plus facile que normalement, on va augmenter moins vite en niveau, en fait. Mais le problème, bah, c'est que... Déjà, pour passer le niveau, c'est très très long. Déjà de base. Donc, eh ben, de toute façon, j'irai farmer. Il y a une zone où on ira farmer de toute façon. Oui. Attendez, je l'ai validé ou j'ai quitté. Parce que là, je comprends pas pourquoi. Quand j'ai joué, ça, c'était super facile. Et là. Facile. Et là, j'arrête pas de m'en prendre dans les dents. Donc, ça va bien 2 minutes, quoi. Grand temps de faire un carnage. Chameur, destructeur. Oh, de passons aux choses sérieuses maintenant. Facile. Ah, puis c'est à chaque fois mon héros qui en prend plein les dents. En plus, ça, ça guérit. Ça guérit que dalle. Si vous voulez, mais je ne susciterai pas un grand enthousiasme chez mes adeptes. Vous êtes tous des imbéciles. Ok, ça. Tiens-moi, je m'en vais. Tenter quelque chose. Ouais, non, elle est chiante sa voix, Imolène. On va. Oui. Alors, lui, déjà, bah, il est à l'épée. Il est à l'épée. Donc, je comprends pas. Enfin, bon, voilà. Hop. Et maintenant, que se passe-t-il? Alors, c'était très dangereux de dormir comme ça en pleine nature. Ok, on est passé. Donc... Et maintenant, où? Qui d'autre a des pouvoirs de soins ici? Avez-vous besoin de mes services? Vous m'avez parlé. Le serviteur de la nature attend. Ok, plus personne n'a de pouvoir de soins dans le groupe à part moi, quoi. C'est fait. Tout va bien. On va se retenter. On va se retenter une nuit. On a de la chance.
Attendez. Chasseur, le point enflammé. Ah. Un émissaire du point enflammé. Ce sont des bons, hein, les émissaires du point, enfin les mercenaires du point enflammé. Mais alors vous là-bas, vous êtes en état d'arrestation pour banditisme et vol sur notre public. Hein, quoi? Nous savons que vous faites partie d'un groupe de bandits qui terrorise la vallée. Hein, rendez-vous. Vous vous trompez de personne. Vous trompez de personne. Pourquoi? On a eu chaud. Si jamais on se frotte à un de ces mecs-là, on est mort. Un seul mec, ils ont des pouvoirs magiques, ils ont des sorts de protection, ils sont invincibles, hein, les mecs, hein, qu'on soit clair et net. Ok, on a eu chaud là, parce que si on se frotte à ça, on est foutu. Ok, alors on va sauvegarder là. Pour deux raisons. Première raison, c'est que. Bon, alors, si, on va aller quand même plus bas. Hop, voilà, pour activer ça. Ah, quoique, ça doit être par là plutôt. Ça doit pas être. Ouais, non, on va descendre encore. Je sais plus vraiment où est le. Une tâche facile. Où est la zone là où je peux faire du farming pour l'XP. Au bout. On va partir tout à l'ouest. Ok. Oh mon cœur n'y est pas vraiment. Si froid. Oh bon, ok. Molène TP. Passons aux choses sérieuses maintenant. Jamais les ressusciter, ça coûte trop cher de ressusciter. C'est fait. Non, mais poussez-vous, oui, les mecs. Bon, ça c'était le stuff d'Imolène. Non, ça va pas. Allez, hop, deux morts, c'est trop. Il y en aurait eu qu'un. Non, c'est pas là, c'est chargé. J'aurais pu. Puis-je vous aider? Oui. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on va. Comment? Qu'on n'a pas le niveau, hein, de toute façon. C'est fait. Ouais, on va partir vers l'est. On va bien voir ce que ça donne. Après, on peut toujours s'y dévier, mais.
Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Une tâche facile. Organiser le groupe quand même. Voilà. Ok. Et bon, on arrive au festival. Ok, donc on arrive à Nashkel. Donc le festival près de Nashkel en l'occurrence, mais. Et voilà, on y est. Il n'y a pas grand chose ici au niveau du festival. On va partir directement à l'ouest, on va rejoindre Nashkel. Au festival, il n'y a pas grand chose. Si, il y a un mec qui nous donne pas mal d'XP, il me semble. Mais ça va être très très chiant. Ok. 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 Toi tu changes, tu te bats les pieds. Ok, on va continuer. Allez, je veux tout le monde à l'arme contendante parce que quand ils sont à l'arc, ils sont trop fragiles visiblement. Nashkel. Ok. Oui, bien sûr. Par là, d'accord, je suis en plein milieu de la map en fait. Ok, là, un manoir ici. Verrouillé. Bon. 49 minutes. Je sais pas ce qu'on va faire à Nashkel. En tout cas, on doit aller, c'est jusqu'aux mines pour nettoyer la mine. Je sais plus s'il y a besoin de récupérer une quête quelque part, certainement. Mais ce que je voudrais, moi, c'est retrouver la fameuse forge. Je sais qu'il y a une forge quelque part.
Ah oui, là, Ne vous approchez pas, citoyen! Ok, on se tire tout Oui, de bien suite. sûr. Oui, bien sûr. Ouais, garnison, ok, ouais. Ouais, ici, normalement, il y a un homme à récupérer, il est super intéressant. Pour la gloire d'âme! Voilà, c'est lui, je crois. Ah non. Voilà, je suis libérateur, maître de Naskel. Quel problème exactement? Je ne peux pas croire que vous n'avez pas deviné. Avez-vous entendu parler de la pénurie de fer? Ok, donc ouais, donc ok, je fais de mon mieux, merci infiniment. Ok, donc lui il va nous demander c'est de nettoyer. Je sais qu'il y a un homme à récupérer, un homme qui est super intéressant, qui est super balèze. C'est sûr qu'il serait indispensable. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Une tâche facile. Ah, des aventuriers intrépides sont à nos portes. Voilà, voilà. Alors, il y a des blessures de soins. Et il y a surtout, voilà. Alors, le rappel à la vie, ça coûte 100 PO dans le jeu. Mais voilà. Ok. Donc ici, c'est un temple. Bon à savoir si on a besoin de ressusciter quelqu'un. Une tâche facile. Ah oui, ici Une je me tâche facile souviens. dans mon humble établissement. Ouais, on va tout vendre déjà, dans un premier temps. Ok. Les autres n'ont rien à vendre, si je dis pas de bêtises, non. Ok, alors, qu'est-ce qu'il a d'intéressant lui? Imolène peut avoir une épée mieux que ça. Imolène peut se battre à l'épée longue. Ah, ça c'est un peu intéressant. Mieux que l'épée courte. Attendez, j'ai besoin de voir le stuff de chacun pour voir si il y a moyen d'avoir quelque chose. Alors déjà, épée longue au mieux de l'épée courte. Pour Imolène, lui il a quoi? Une épée bâtarde ou une épée longue? Épée longue. Donc épée bâtarde pour lui qui est plus balèze. Elle a qu'un simple bâton. Lui il a une épée courte. On va voir si on peut pas lui mettre même quelque chose d'autre. Et lui il se bat au bâton. Ok donc les deux là en bâton. Ici épée courte. Ici c'est bon. Ok bon. Entre la pénurie de fer et tout le reste. Le client est toujours roi. Ok, alors ça, on va le vendre. Alors elle a un bâton. Est-ce qu'elle peut se battre avec autre chose? Ah, il y a le, ouais, il y a le pieu. C'est vrai que le pieu, il est fait pas mal. Il y a les armures aussi qui seraient à revoir. Mais je crois que niveau armure, ils sont déjà pas mal. Après, je sais que bon, il y a mieux. Bon, ok. Donc elle, déjà, on peut pas l'améliorer plus que ça.
une armure feuilletée, hein, je crois, sur elle, de toute façon. Bon, Mantaron. Il peut se battre à l'épée bâtarde. On va y prendre. Et toi, tu fais chier, tu peux rien porter, tu peux rien faire, tu nous saoules. De toute façon, je crois que c'est lui que je vais éjecter du groupe pour prendre l'autre. Sachant que normalement, l'autre, il devrait le suivre si jamais. Donc, je crois qu'ils sont inséparables, ces deux-là. Ils peuvent pas être dissociés l'un de l'autre, mais bon. Ouais, donc Jaira, je peux rien lui prendre d'autre. C'est un peu con. Tant pis, hop. Non, elle peut pas se battre avec des épées visiblement. Pourtant, guerrier druide. Mes prix sont les meilleurs de tout le sud d'eau profonde. Quel gourdin, mais le gourdin. Non, aucune épée. Tant pis. On va voir pour les armures. Mais normalement, armure, je peux rien faire de plus. Si, je crois que la cloutée, elle peut la porter, Imolène. Ouais. Elle peut la porter. Ce qui va l'améliorer. Donc lui, il a pas d'armure et lui non plus. Les deux derniers n'ont pas d'armure. Ok. Ici, armure feuilletée, armure feuilletée. À voir s'ils peuvent porter plus, mais ça m'étonnerait. Entre la pénurie de fer et tout le reste. Non. Le client est toujours roi. Qu'est-ce qu'on va le vendre? Est-ce que vous pouvez porter plus que l'armure feuilletée? Elle peut porter l'armure plate, si elle, mais on n'a pas assez. Ok, Mantaron. Armure feuilletée. Ah d'accord, il n'a pas d'armure cloutée de toute façon lui. Et de toute façon, on n'a pas assez. Bon, donc pour le moment, on va lui mettre cette armure là. Puis c'est tout. Et on va voir si on peut pas. Que se passe-t-il ? Alors, attendez, juste une sauvegarde. Voici quelque chose. De tout le sud d'Ombro, entre la pénurie de fer et tout le reste, les affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci. On va essayer de voler quelque chose. Si vous pouvez essayer de voler une armure plate. Passons aux choses sérieuses maintenant. Gorion n'admettra rien de cela. C'est une honte. Quoi? Ouais, 24 pièces d'or et puis on n'a pas pu voler le stuff. Ça valait pas le coup. Allez. On se tire. Vous m'avez parlé ? Non, on se tire de ce bubi. Une tâche facile. C'est fait. Ne vous approchez pas, citoyens. Nous sommes le groupe MDV, cherchons un endroit où nous reposer. Voilà, merci, au revoir. Ça peut paraître indigne d'une dame, mais je vais vous égorger. Salut pour ça. Ok, charmante. Attendez, on en est où?